Bonjour, voilà, ici j'ai un autre petit exercice pour vous. Là, ici, donc on va toujours travailler des doubles croches au niveau de la double pédale. Et là, on va travailler différentes façons d'accompagner un morceau. Donc, on va travailler sur des cycles de quatre mesures. Le premier accompagnement, c'est très simple, c'est juste faire des doubles croches sans charleston, sans cymbales, sans les mains. Il y aura juste des pêches à mettre avec des caisses claires. Comme ceci. Voilà, ici je vous ai fait le cycle de quatre mesures avec les pêches à mettre. Donc sur les cymbales et un petit break qui sera écrit sur la feuille. D'accord? Donc la feuille sera sûrement au début et sera sûrement à la fin aussi pour vous travailler. À la fin de la vidéo, je laisserai l'MP3 pour vous travailler dessus. Voilà. Donc ne travaillez pas ça trop vite. D'accord? Ici, il est à 120, c'est déjà très très bien. D'accord? Même si vous le faites plus lentement, c'est encore mieux. D'accord. Le deuxième accompagnement qu'on aura à faire, c'est simplement un 2 et 4 à la caisse claire avec une cymbale ou un charleston. À vous de voir si vous voulez mettre un charleston. Comme ceci. Alors à ça, il y aura un break. Un petit break qui sera pas compliqué. Donc ce sera juste ceci. Je vais vous jouer le break. Voilà, donc il sera sûrement là aussi. D'accord? Après la troisième chose à faire, donc c'est justement quand on démarre ce break, il y aura des mises en passe à faire avec une cymbale sur le 1 et des caisses claires qui vont se décaler. Donc apprendre à décaler des caisses claires sur des doubles pédales. Comme ceci. À ça, il y aura un petit break, donc ce sera quatre doubles croches qui vont relancer le double tempo. Donc on va doubler le tempo au niveau de la caisse claire, sans bouger toujours les doubles croches. Donc ça va donner ceci. Donc j'ai exécuté le break qui va relancer la dernière partie. La dernière partie, c'est la même chose, donc on va mettre une ligne à la cloche de la cymbale. Comme ceci. À la toute fin, moi je mets un break pour repartir. J'essaye de donner exactement les mêmes coups que mes grosses caisses et je voyage sur mes tomes. Donc de la caisse claire, petit tome, gros tome et je termine par les cymbales pour revenir sur la mise en place. D'accord? Donc ça est joué deux fois. Après, je vous conseille d'au moins faire ça 10 minutes. D'accord? Pour au moins gagner en puissance, gagner en précision. D'accord? Travaillez lentement, 10 minutes par jour. C'est super important et c'est pas encore de trop si vous voulez faire des styles où il faut vraiment avoir une très bonne technique de double pédale. D'accord? C'est très peu, même 10 minutes. D'accord? Bon, voilà. À vous de jouer. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à partager,
à liker, etc. etc. À bientôt. Je vous laisse l'MP3 après la vidéo et ce sera à vous de bosser. Allez, ciao.